vous constaterez que ces livres ne contiennent que du baragouinage nocif, et j'espère que vous saurez en tirer des enseignements précieux. Merci, mon frère. J'apprécie votre confiance. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Quel est le rôle des différents moines ici ? Eh bien, l'abbé est le chef, mais il n'est pas ici. Ensuite, vous avez le prieur et le sous-prieur, l'archiviste, le portier et bien d'autres encore. En tant que novice, vous devez vous soucier particulièrement des circateurs. Ce sont eux qui maintiennent la discipline et châtient les récalcitrants. Je viens travailler. Bien. C'est probablement la toute première fois que vous faites ça, mais c'est plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit d'un peu d'entraînement et d'apprentissage du latin. Voici le manuscrit et voici des parchemins vierges sur lesquels vous recopierez ce que vous lisez sur l'original. Est-ce bien clair? Alors vous pouvez commencer. Et appliquez-vous.
Oh non, quel gâchis de parchemin! Comment avez-vous pu faire une telle chose? Que désirez-vous? J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Bien, ce sera tout. Merci pour votre patience, mon frère. Et si vous me parliez un peu de vous? Je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je veux dire, c'est d'où vous venez, la vie que vous meniez avant d'être ici. Enfin, ce genre de choses. Je suis un apprenti et mon nom monacal est Lucas. Le reste n'a pas d'importance. Allons, vous ne pouvez vraiment rien me dire sur vous? Pouvoir, je peux. Mais je n'en ai pas envie. Désolé. Je veux rester concentré sur mes tâches et mes prières, et pas sur celui que j'étais autrefois, et que je ne serai plus jamais d'ailleurs. Le passé n'a plus d'importance pour nous. Il faut savoir faire abstraction de sa vie d'antan une fois qu'on a franchi les portes du monastère et prêté serment. Ne l'oubliez jamais. J'aimerais en savoir davantage sur les autres novices. Je ne sais pas grand-chose, mais allez-y. Que savez-vous au sujet de Yodok? Rien. Il ne m'aime pas et il est en très bon terme avec les circateurs. C'est à peu près tout. Parlez-moi d'Antoine. J'aimerais bien, mais il n'y a rien à dire. Je ne lui ai jamais parlé et je n'ai jamais cherché à en savoir plus sur lui. Que pouvez-vous me dire sur Siskin? Pas grand-chose. Je ne le connais pas. En fait, je ne sais rien sur lui. À part qu'il n'est pas très à cheval sur les règles. Vous plaisantez? Vous ne connaissez donc personne ici? À quoi bon? Vous ne voulez pas en savoir davantage sur les gens avec qui vous allez passer le restant de vos jours? Moi si. D'ailleurs, je les connais sûrement déjà mieux que vous. Ne vous énervez pas. Navré de ne pas pouvoir vous en dire plus. C'est juste que je n'ai pas encore osé parler avec qui que ce soit.
Que désirez-vous ? Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur vous ? Écoutez, je n'ai rien contre vous, mais je préfère ne pas parler de mon passé. Vous avez quelque chose à cacher ? Pourquoi vous vous obstinez à ne rien révéler sur vous ? Je cache un passé misérable que je préférerais oublier. Je déteste penser à tout ce que j'ai perdu quand on m'a mis ici. Et je déteste aussi la question. C'est bien vous, le fils du légendaire seigneur Smil Flashka de Pardubis ? J'étais riche et j'avais tout. Mais ensuite, mon père a senti que sa fin était proche. Alors il a décidé d'envoyer l'un de ses fils au monastère, et, en tant que cadet, c'est tombé sur moi. Je ne suis pas doué pour gérer un patrimoine. On disait que j'allais le dilapider. Vous imaginez ? Moi, dans un monastère ? J'ai donc emporté ce que je pouvais de chez moi, pour ne pas tout. Qu'en est-il de la dague ? C'est un souvenir des jours meilleurs. Mon père me l'a confiée quand j'étais gamin, et elle m'a été utile plus d'une fois à l'époque où je me prenais des cuites avec des gens peu recommandables. Vous savez vous battre ? Et comment ? La picole et la bagarre. Dieu que ça me manque. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci de garder ça pour vous. Surtout en ce qui concerne l'argent. Au beau milieu de la nuit, j'ai vu les frères circateurs boire et jouer aux dés. C'est génial. Vous vous êtes joint à eux ? Et surtout, je peux venir la prochaine fois. Siskin, je croyais que c'était interdit. Si les circateurs le font, on peut tous le faire. Ce n'est pas comme ça que ça marche, si ? Je sais. Deux poids, deux mesures. Les plus anciens peuvent faire comme bon leur semble, et ce sont pourtant eux qui nous prêchent la morale. À propos de la potion magique des ouvrages défendus, qu'avez-vous prévu de faire avec ? Je ne sais pas vraiment. Il se peut que je la concocte un jour pour l'essayer. Pourriez-vous partager cette recette avec moi ? Inutile de demander, c'est grâce à vous que je l'ai. Écoutez, onguent de vieille dame que les sorcières utilisent le jour du sabbat pour offrir leur âme au diable. Préparez de l'huile, une poignée de soucis, de belladone et de parisette. Laissez bouillir les parisettes pendant un tour. Jetez la poudre de soucis dans le chaudron et faire bouillir un autre tour. Mettre ensuite la poudre de belladone dans le chaudron pour le dernier tour. Ça me paraît assez toxique. Ça l'est sans doute, mais je veux surtout découvrir ce que ça donne. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez des autres novices. Parlez-moi d'Antoine. S'il y a bien un moine avec lequel il faut se lier d'amitié, à part moi, naturellement, je dirais que c'est Antoine. Il est calme, il a la conversation facile, et on peut toujours compter sur lui. Dites-m'en plus sur Yodok. Comment peut-il vous intéresser ? Ce n'est qu'un sale traître qui vous dénoncera à la moindre occasion. S'il n'était pas ici, il serait probablement avec les Koumans à faire des courbettes pour une poignée de gros chênes. Ça ne semble pas très flatteur. Ce n'était pas le but. Quoi que vous fassiez ici, méfiez-vous de lui. Il surveille tout le monde et il vous dénoncera au supérieur à la moindre infraction. Ce sera tout, merci. J'aimerais vous poser une question concernant le monastère. Bien, ce sera tout. Merci pour votre patience, mon frère.